Salut à tous et bienvenue sur BeatGenius. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une instru type PNL, donc un truc assez un peu mélancolique, un peu voyageant, assez influencé par la trap, donc des grosses 808, mais vraiment sub, donc pas trop dans les mid fréquences. Donc c'est vraiment des subs qu'on n'entend pas, qu'on ressent plus que ce qu'on entend, on va dire. Donc pense commencer avec un piano, tout simplement. J'ai trouvé quelques accords au clavier. Donc, je vous fais écouter. Donc c'est son Nexus, le piano. Donc c'est le Digi Piano dans le Nexus de base. J'ai un peu augmenté le reverb. Sinon c'est un piano normal. Sinon j'ai augmenté bon, ici la fréquence, normalement c'est à 440, j'ai augmenté. Vous pouvez tester, des fois c'est inspirant, ça fait un peu varier l'ambiance du morceau. Donc je vais mettre mes accords ici. Et au tempo, je suis à du 120. Je pense à un tempo assez courant chez eux. Je pense c'est. Oh là là, c'est dans ces eaux-là. En fait, je vais enregistrer les accords en les jouant, ça va être plus simple. Bon, après ici j'ai un peu joué sur le rythme. Bon, quand on enregistre comme ça avec le clavier MIDI, il faut quantize. Donc je sais pas c'est quoi le mot en français, mais on voit aligner les trucs sur le rythme. Ici, on voit que tout est un peu en retard avec le buffer, ça qui fait que. Donc, tout ça, on peut allonger. Comme ça fait un accord. Voilà, ça va ici. Le fait d'allonger les notes, ça, dans ce type de jeu, ça fait comme si on maintenait la pédale au piano. Voilà, donc là on a notre petite mélodie mélancolique, donc ce qu'on peut, c'est rajouter un pad.
histoire de faire un truc assez ambiant. donc, je sais pas, on va chercher un pad. Peut-être dans Fantasy NBA. Ah déjà je vais remettre ici à 470 comme, comme l'autre, histoire qu'ils soient accordés entre eux, 400. Voilà, donc on a notre pad ambiant. Donc c'est déjà pas mal, on va mettre des drums en plus, d'où ça. Donc on va commencer ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, classique. Quelques hats. Un kick. Un snare, on va mettre un snare avec un peu de reverb dessus. Ça fera un peu ambiant. Je pense qu'il y en a peut-être un dans le pack ici. Ouais, c'est pas mal. On va faire un truc assez léger en drum, c'est pas, ça doit pas être surchargé. Je vais mettre un peu de reverb directement. Alors. Ici, c'est l'intensité du reverb. Là, c'est la taille que simule le reverb. Et là, c'est la durée du reverb. Donc, si on fait ça, il va durer super longtemps. Donc, là, c'est un peu trop. Pour le rendre un peu plus punchy, on peut faire ça. Donc, ici, c'est juste des simples courbes. Il faut régler ici. Voilà. Faites comme ça. Les deux côtés. On peut booster un peu dans les basses fréquences. Et ça donne un peu plus de punch au booster.
Bon, on va ajouter des hâtes. Ouais, je fais un truc assez léger, c'est vraiment plus c'est vraiment ambiant quoi, il n'y a pas trop de mélodies super distinctes, enfin si un peu, mais surtout des bases de pad et de drum assez léger. C'est vraiment du cloud genre posé, vraiment pas surchargé. Donc on va passer à la basse. On s'est trouvé un truc assez profond, pas beaucoup de distorsion. Bah là ça m'a l'air bien, mais en fait j'ai pas mon casque là, mon microphone c'est des écouteurs, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que ça, vu comment ça sonne dans les écouteurs, ça a l'air d'être pas mal. Donc on va régler tout ça. Hop, ici cut itself pour pas que les notes se jouent l'une sur l'autre comme d'hab. On va accorder la basse, donc edit, pitch région. On voit que c'est en G2. Donc on va mettre ça ici. Clic droit sur G. Pareil, on va régler l'enveloppe aussi pour pas que. Pour que la note reste, ne se joue que quand on laisse appuyer sur la note. Donc c'est pas très clair, mais j'espère que vous avez compris. On va se mettre un octave plus haut pour écouter un peu. Alors, ce que je vais entendre, c'est. Donc, c'est ici, hop. J'ai un peu changé mon kick parce que j'ai envie que ça fasse. Thank you.
Ouais, ici on peut mettre un slide par exemple. Donc je vais faire ça comme ça. Alors on double-clique sur la note et on coche ici. Donc on remet un octave plus bas. Donc voilà, on a la prod qui est faite. Après, il y a juste les bases. On peut rajouter peut-être une petite mélodie au bel, enfin assez légère. Un arpège ou quoi. Allez, un arpège pour accompagner à certains moments en fonction du moment où on est en refrain ou quoi. Mais globalement, l'ambiance est là. La prod est quasi faite. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, likez-la. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou des idées pour les prochaines vidéos, c'est toujours utile. Donc voilà, à bientôt.